Mardi 18 décembre, au théâtre Gérard Philippe, la population a été invitée à participer à une réunion d'information sur l'avancement des travaux du grand chantier Lyon-Turin. Une présentation à deux voix avec la SNCF Réseau, que TELT a confié la maîtrise d'œuvre sur la partie ferroviaire du bassin de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce soir, donc, c'était une réunion qui était organisée donc déjà à l'initiative du maire de Saint-Jean-de-Maurienne qui nous avait demandé de présenter aux habitants de Saint-Jean-de-Maurienne une actualité sur le Lyon-Turin et principalement les chantiers qui vont être réalisés dès 2019 sur le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne. Première chose que l'on va faire, c'est déjà déconstruire les bâtiments que l'on a acquis pour libérer les emprises pour les futurs travaux. Et ensuite, on va commencer des travaux dans le secteur de la gare actuelle pour faire tout ce qui est ce qu'on appelle bâtiment de maintenance, et c'est SNCF Réseau qui en aura la maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est des travaux qui vont démarrer dès l'hiver et printemps 2019. Une main-d'œuvre qui va s'accroître dans les mois à venir. C'est ça, progressivement, donc c'est d'abord quelques dizaines de personnes, et au plus fort de l'activité sur le bassin de Saint-Jean-de-Maurienne, on pourra avoir jusqu'à 300, voire 500 personnes qui travailleront en même temps sur le bassin. En fin de réunion, quelques personnes du public ont posé des questions sur leur inquiétude et leurs préoccupations des futurs travaux. Oui, tout à fait. Parmi les échanges qu'il y a eu en fin de réunion, donc la question s'est posée sur la circulation et notamment la circulation liée au personnel qui viendront travailler sur les chantiers. Donc les réponses qui ont été apportées, c'est que l'on cherche à individualiser deux zones de basse travaux, principalement dans le secteur nord de Saint-Jean-de-Maurienne et l'autre partie côté Villargondran, pour que tout le monde arrive dans ce même secteur et qu'ensuite les travaux se fassent à l'intérieur de nos emprises pour limiter les circulations à l'intérieur de Saint-Jean-de-Maurienne et de toute façon éviter bien sûr le cœur de ville. Les difficultés que l'on essaye de désamorcer, c'est les difficultés que l'on pourrait avoir avec les habitants notamment, et on voit à travers certains comités, groupes de travail déjà avec les élus, puis après des réunions soit publiques comme aujourd'hui, soit des réunions de quartier, pour bien expliquer comment vont être faits les chantiers, pour échanger et voir de quelle manière les adapter, les modifier, pour qu'il y ait le moins de nuisances possible pour les riverains. Des réunions qui commencent aujourd'hui à porter leurs fruits. Entre cette soirée et une soirée qu'on a fait il y a une dizaine de jours avec les habitants des quartiers nord de Saint-Jean-de-Maurienne, on a eu un peu plus de environ 100 personnes aujourd'hui, 80-90 il y a 10 jours, donc ça fait presque 200 personnes qui sont venues assister à cette présentation et avec qui on a pu échanger. Ça permet que les personnes connaissent bien le projet, discutent avec nous et que l'on fasse ce chantier dans les meilleures conditions possibles.